Dans Final Cut Pro X, on retrouve dans cette section, juste ici, plusieurs musiques et effets sonores. Si jamais tu veux prendre ces effets sonores-là et les amener ailleurs et que tu les recherches dans ton ordinateur, eh bien, tu dois venir dans Finder et on va aller dans Go et va dans Computer ou ton ordinateur. Et ensuite, tu dois faire ton chemin dans Macintosh HD, la librairie, audio, Apple Loops, Apple et les effets sonores de Final Cut Pro. Et voilà, tous tes effets sont juste ici. Donc, tu peux retrouver des effets de transport, de science-fiction, des explosions. Ils sont tous là et tu peux les prendre et les amener où est-ce que tu veux. Maintenant, si ce que tu voulais faire, c'est d'ajouter des effets sonores à ta librairie, je t'invite à regarder ma vidéo juste en haut à droite. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!